Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'effet collector. Vous allez découvrir 4 routines très différentes les unes des autres et en guise de teaser, voici la première version. Quatre rois. Alors dans un carré, il y a toujours un chef. Parmi les rois, c'est carreau. Bon, c'est pas très important, mais comme ça au moins vous êtes au courant. Et bien sûr, trois cartes choisies, comme d'habitude. Sauf que la meilleure option ici, c'est de faire un premier collector classique et d'enchaîner ensuite par celui-là. Car là, l'objectif, c'est d'expliquer au spectateur ce qu'est le collector. Donc le collector, en fait, c'est quand on retrouve les cartes retournées entre les rois de cette façon. D'accord? Donc c'est un petit peu comme si les rois, en fait, capturaient ou aspiraient les cartes choisies. Le jeu, on n'en a pas besoin. Donc si on récapitule, on a le roi de trèfle, une carte choisie, le roi de pique, une carte choisie, le roi de cœur, une carte choisie et le roi de carreau. Un geste magique et instantanément, les cartes choisies disparaissent. Parce que le collector, ça fonctionne avec les as.